thank <music> you Là, euh, à d'être venu, de vous être déplacé ce matin, une époque où euh, on se déplace de moins en moins. On a, au moins, c'est le seul avantage de la pandémie. Euh, et merci à ceux qui sont de l'autre côté euh, de la de la vidéo aujourd'hui pour euh, bah, la, la conférence de presse. De la septième, déjà la septième saison de Binge Audio. Donc bienvenue à la villa. C'est notre un peu notre entre. Vous voyez, vous êtes ici en plein cœur du moteur de création de podcast. Euh, et donc on a poussé les bureaux, on est ravis. C'est aussi un, un moteur d'échange. Ici on accueille aussi des auditeurs, des auditrices. On se pousse, on a trois étages, on fait des séances d'écoute au casque, on fait des avant-premières. Donc en fait, euh, on, on est ravi aujourd'hui de vous avoir. Ce, pour ce moment-là, pour donc, cette septième saison, on va vous en présenter toutes les nouveautés avec toute l'équipe. On répondra à vos, à vos questions. Alors, je parlais d'un moteur, c'est un moteur, un moteur en fait, euh, qui marche pas si mal finalement. Euh, on, un moteur édito d'abord qui marche bien. Euh, un modèle édito qui, qui marche, c'est-à-dire que l'an dernier, c'est plus de, de 1000 épisodes euh, publiés. Euh, on n'a pas compté exactement, mais effectivement, on a à peu près euh, ce volume-là. Ça sort ici, de ces trois espaces de production que nous avons installés. Euh, c'est par exemple une émission comme Le cœur sur la table, euh, un, le meilleur démarrage de l'histoire de Binge Audio, c'est plus de 3 millions d'écoutes cumulées, euh, des mois à plus de 600 000 écoutes, et on en parlera, une adaptation en livre. Euh, qui est, euh, a aussi dépassé euh, euh, donc en pré-vente euh, celle du cœur sur la table de, euh, du, des couilles sur la table de 2019? Euh, programme B, bah on en est à la troisième saison, on vous en parlera, plus de 627 épisodes, plus de 10 millions d'écoutes cumulés. On attaque la quatrième et on, on vous dira un peu en détail de quoi il s'agit. Euh, un moteur de création édito aussi sur le documentaire, c'est important, le reportage, l'enquête. Euh, ici, aujourd'hui, vous allez voir des, des, des jeunes auteurs, autrices, euh, qui feront partie euh, de la, la programmation de programmer d'ici la, la fin de l'année. Euh, en documentaire, euh, ben, on, on a des productions de premier plan euh, qui s'écoutent partout, qui gagnent des prix. L'an dernier, on a gagné le prix documentaire au Paris Podcast Festival. Euh, et effectivement, on tient... avec nos moyens, avec notre envie. Avec les talents qui travaillent avec nous, à proposer aussi des nouvelles lectures, des nouvelles, des nouvelles façons euh, d'inventer, des nouvelles façons de raconter des histoires, euh, et ça ne laisse pas indifférent puisque on a évidemment euh, dans l'audience de nos programmes, on reçoit beaucoup. De témoignages, on en parlera. Le cœur sur la table, par exemple, c'est plusieurs milliers de témoignages qu'on classe, qu'on trie, qu'on indexe. Euh, et en fait, pour reprendre les mots de Victoire, on entame une grande conversation collective. Euh, juste un petit mot aussi, et Gabriel vous donnera euh, davantage de détails, mais euh, c'est outre un modèle éditorial qui marche, c'est un modèle commercial qui fonctionne. Donc on a euh, une offre publicitaire en pré-roll euh, qui propose des nouveaux espaces. Euh, et des nouvelles expériences euh, aux marques. Euh, on a, dans notre pôle de production pour les marques, euh, l'an dernier, par exemple, euh, c'était, euh, on a produit une deux, deux saisons documentaires pour Spotify avec On est chez nous. Et on, vous, Soraya vous détaillera tout à l'heure un, une collaboration dont on est très fier avec Bourse du Commerce, euh, collection Pinault. Euh, donc c'est euh, aujourd'hui une équipe au service en fait des productions de marque qui intègrent le savoir-faire de Binge Audio et euh, dans toutes ses composantes. Et enfin, des revenus auditeurs, euh, qui sont la troisième, euh, le troisième pilier en fait, de notre modèle de revenus, euh, qui n'ont jamais été aussi hauts, notamment, euh, et qui, avec, que ce soit la billetterie par exemple, pour assister aux enregistrements publics. En juillet dernier, lors de la centième d'A bientôt de te revoir, on a fait un grand festival au Wonderland à Paris on a vendu plus de 1000 billets, mais aussi sur les adaptations, notamment euh, en édition, en livre. Euh, et on vous en parlera un peu plus tard. voilà donc juste pour terminer juste pour dire qu'on euh, euh, est très fier on est ravi euh, de, de, de cette situation euh, mais il reste quand même un point noir qui concerne l'ensemble de l'écosystème du podcast euh, qui est une situation un peu inéquitable dans laquelle on se trouve puisqu'on on produit des contenus journalistiques mais on ne bénéficie pas de, du système d'aide à la presse, pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas une forme écrite. Donc on a une forme parlée et euh, évidemment les textes sont clairs. Il euh, y a seule la forme écrite qui euh, peut ouvrir droit aux aides structurelles qui bénéficient ou ponctuelles à l'ensemble de la presse en France. On, on a une rédaction ici, on fait du travail journalistique. Et deuxièmement, on fait de la production de contenus documentaire de création ou de la fiction. On emploie des scénaristes, des comédiens, des auteurs, des compositeurs de musique et on ne bénéficie euh, d'aucun système d'aide à la production. Pas de crédit d'impôt, pas d'aide à la production, euh, alors même qu'effectivement, euh, bah, la qualité de nos, de nos contenus euh, nous permettrait d'y avoir droit. Si on compare, on, on, fait, on reste la seule industrie culturelle, tout confondu, qui ne bénéficie d'aucune mesure particulière. Alors on, sera, on est ravi que le ministère de la Culture ait annoncé la semaine dernière le lancement en fait, euh, d'aides euh, sélectives pour les auteurs, donc c'est un premier pas qui est très important, euh, on, on est content aussi que des auteurs et autrices à qui on travaille puissent en bénéficier pour des futurs projets, mais ça ne suffira pas à faire en sorte en fait que euh, on puisse travailler dans les meilleures conditions ou les mêmes conditions que d'autres industries culturelles. Voilà. J'en ai trop dit, je passe la parole à mon associé Gabriel Boyer-Richard qui est directrice générale de Binge Audio et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Bonjour à tout le monde. Euh oui, aujourd'hui Binge Audio, c'est un, un média, c'est une entreprise et l'entreprise elle-même, la société sous sa forme qu'on connaît, a cinq ans. Et un mot pour vous dire le chemin qui a été parcouru en termes de, de constitution d'équipe, parce que pour faire tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on va vous présenter, il faut pas mal de monde, il faut pas mal de métiers, il faut pas mal d'expertise. Et je peux saluer par là le travail de toute l'équipe, aussi bien permanente que non permanente, dont vous allez voir un aperçu aujourd'hui. Aujourd'hui on est 19 personnes à travailler de de façon permanente à Binge Audio. Euh, Joël et moi sommes, sommes mandataires sociaux. Euh, on a une, une rédaction, une équipe de cinq journalistes qui est dirigée par euh, David Carzon euh, euh, à côté de moi, directeur de la rédaction on a euh, cinq et bientôt six personnes en production et là j'intègre euh, les ingessons réalisateurs réalisatrices et les personnes qui, euh, qui s'occupent de la production des programmes et puis on a une équipe de, de six personnes qui travaillent euh, au développement au marketing aux productions euh, pour les tiers les marques euh, et à la commercialisation et à la production du sponsoring puisqu'on fait ça euh, on fait ça en interne et puis une personne en gestion donc c'est une, une vraie entreprise c'est un vrai secteur et quand on évoque les, euh, les besoins euh, que ce sont ceux d'un médias comme le nôtre et notre secteur aujourd'hui, bah voilà, il y a cette réalité derrière qui est une réalité créative, qui est une réalité d'audience, de millions d'écoutes par mois, et qui est une réalité d'équipe et de métier. Je laisse la parole à David pour nous parler des programmes. Merci, Gabriel. Euh, on va vous évoquer les nouveautés de, de cette nouvelle saison. Euh, juste pour ne pas oublier, il y a beaucoup de choses qui continuent. Euh, Kif Taras va continuer. A bientôt de te revoir euh, reprend le 2 octobre. Euh, la fin de saison euh, du cœur sur la table, les couilles sur la table et aussi la dose, notre newsletter euh, hebdo qui va continuer. Donc, au-delà de ça, on va proposer des nouveautés cette année qui sont... Euh, c est, c est, que je tiens à souligner ce matin, qui sont animés par un état d'esprit un peu particulier. On sait qu'on est, enfin, on dit souvent qu'on est dans une année charnière, on est plutôt dans un moment charnière. Euh, Il euh, y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas aujourd'hui dans la manière dont fonctionne le monde et dont on raconte le monde. Et on a beaucoup de frustration de, quand on observe tout ça et on se dit qu'on a un rôle à jouer. Ça nous embête un peu de laisser euh, faire euh, tout ce qui, toute la manière dont on raconte le monde aujourd'hui et, et on a envie de reprendre la main, de ne pas laisser faire ça. Euh, et c'est là où on se dit que le podcast a un rôle à jouer. On nous questionne souvent sur. C'est quoi la différence entre podcast et la radio On fait de la radio, ça c'est sûr, mais euh, le podcast a cet avantage d'allier le fond et la forme, et une forme de liberté. Et on a la liberté d'adapter à la fois ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Euh, quand on fait un programme euh, euh, documentaire ou... Euh, euh, type explainer ou type reportage ou enquête, il y a un travail de fond et de forme qui est fait à la, de toutes les équipes dans le programme B, c'est Thomas, c'est Lorraine, c'est les réalisateurs, les réalisatrices c'est pas une personne qui dit ce qu'il faut faire c'est un travail d'équipe et on a cette liberté là de travailler différemment nos contenus et en fait la différence c'est ce que euh, nous on a l'impression qu'aujourd'hui on essaie de nous imposer des choses une manière de penser, une manière de faire, un agenda médiatique nous on est plutôt dans ce qu'on propose on propose quelque chose s'abonner à un podcast c'est pas anodin, c'est une démarche on demande aux gens de faire une démarche, de s'abonner à nos contenus. Et donc, il faut qu'on soit dans la proposition et dans l'échange. Et c'est ça qui nous anime quand on construit nos programmes et ce qu'on essaie de faire. Et ce qu'on va essayer de développer encore plus aujourd'hui. Alors, on a, on a eu envie aussi d'investir le champ du débat parce qu'on trouve que le débat aujourd'hui euh, ne mérite pas la surenchère populiste qui le traverse. Et qu'on a, a envie de se coller à ça et de se dire qu'il y a une autre manière de faire du débat, de débattre des sujets de société. Donc, on a demandé à Judith du portail de travailler avec nous pour euh, proposer une nouvelle émission. Euh, de cet ordre-là. Elle va vous venir vous expliquer tout à l'heure. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a travaillé une refonte de programme B. Et on a voulu travailler programme B pour raconter le monde. Euh, tel qu'on a envie de le raconter, tel qu'on pense qu'il est et tel qu'on a envie de le faire découvrir. Nous, on pense qu'on a réussi un podcast quand les gens nous écrivent pour nous dire Ah, je n'avais pas vu les choses comme ça. Et là, on se dit, on a réussi, on a touché quelque chose. Et on va aussi, pour terminer, parler pas mal de journalisme dans le Programme B. Thomas va vous détailler ça. Euh, parce qu'il y a le monde donc, dans lequel on vit, il y a le monde tel qu'on le raconte, tel que je l'ai dit. Et ça ne nous convient pas trop non plus en ce moment. La manière dont on fait du journalisme, on va beaucoup le questionner. On n'a pas de réponse sur comment il faut faire, mais on a des pistes de travail. Et on va essayer de travailler cette question sur comment on raconte le monde, comment c'est quoi le journalisme aujourd'hui et quel monde il raconte. Et donc, on va commencer par parler de Programme B. Donc, on va vous lancer la bande-annonce de Programme B. Salut, c'est Thomas Rozek. Cette saison dans Programme B, il y a plein de choses qui changent, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles voix, et puis surtout, il y a tout ça. Et, et quand on les voit arriver le jour, de, le jour du, du procès tueurs à gage, on voit cinq gars euh, on a du mal à croire que ces gens-là euh, voilà puissent tuer sur, sur commande voilà. vous vous souvenez de du moment où vous avez dit là il y a un problème euh, on n'a plus de nouvelles c'était ouais, on attendait les ouais. coups de fil et puis ouais, il n'arrivait pas quoi donc. Euh... le nombre de commentaires modérés sur ce, ce, ce week-end-là et les semaines qui ont suivi était incommensurable euh, un, un, un par rapport aux semaines d'avant et euh, j'ai pas visité le panel de modération pendant bien trois semaines je pense et j'ai vu des policiers euh, systématiquement les frapper à, à coups de matraque à coups de nerfs de bœuf à coups de, de crottes de pistolets, même certains qui ont tiré dedans et qui ont balancé par-dessus le pont des Algériens. Ça, je l'ai vu. Ça, c'était le 17 octobre. Le 17 octobre sur le pont de Clichy. Mais l'histoire du radiateur, elle ne s'est pas arrêtée là. C'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu besoin d'acheter un radiateur électrique dans le rayon du supermarché. Il coûtait 25 euros. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule parce que je me suis dit donc c'est ça. Je n'avais même pas 25 euros à mettre dans quelque chose de vital. Voilà, c'est ça la pauvreté. Le milieu de la cuisine, il peut favoriser justement ces comportements violents parce qu'il euh, y a une proximité déjà physique. Il y a justement aussi ce stress assez permanent qui est, ce que je disais, presque obligatoire parce qu'on a une contente horaire. Et donc ce moyen de pression, il, il peut se traduire sous différentes manières. Il peut se traduire sous des humiliations, euh, de la dévalorisation, qui sont des comportements violents. C'est une hypothèse, mais à mon avis, il a été descendu. Comme ça comment... C'est ce qu'on m'a fait comprendre d'ailleurs. Il, il a croisé des gars, des gens avec des kalachnikovs qui ont bien vu que c'est un occidental, donc ils l'ont descendu, mais comme elle n'a pas, ils l'ont même pas arrêté quoi. Ils l'ont descendu. Et ils l'ont mis sous un tas de cailloux. Quoi. Alors à très vite pour un nouvel épisode. Donc, j'ai à Thomas Drozek, rédacteur en chef et euh, incarnation de Programme B, devenir Qu'est-ce qu'on a voulu changer dans cette nouvelle saison, cette quatrième saison de Programme B ouais. Je te Merci David. Euh, bah, bonjour à, à tous et à toutes. Euh, effectivement, on s'est dit avec euh, David et avec Lauren Bess, qui est la productrice de l'émission, qu'après 635 épisodes, on avait peut-être euh, changé un peu euh, ce qu'on était en train de, de construire. Euh, on était très fiers, très heureux il y a trois ans de se lancer dans le défi de la quotidienne c'était un défi qui n'était pas mince à relever avec une petite équipe et sachant qu'on était parmi les premiers à tenter ça en podcast en France euh, donc trois ans après on a considéré que le défi était quand même assez relevé qu'on avait nous envie de s'aventurer sur des terrains un peu différents qui sont ceux qu'on a commencé à toucher au fil des saisons du reportage de l'enquête et du documentaire euh, qui vont être vraiment cette année au cœur de la proposition de programme B euh, programme B va continuer à être une émission avec à haute fréquence c'est à très régulière avec beaucoup d'épisodes qui sortent, mais ce sera plus une quotidienne au sens strict. Ce sera une émission qui sera pensée mensuellement. Alors ça veut pas dire que c'est une mensuelle. Ça veut dire qu'il y aura un épisode par mois. Ça fera un décalage quand même important. Euh, mais c'est-à-dire que chaque, les épisodes pris ensemble sur le mois formeront un tout cohérent. Vous avez un exemple? Là, tout trouver sur cet écran qui est la, la une parce que ouais on va faire des unes tous les mois comme dans les comme dans les magazines papier euh, la une du mois de septembre où il y a un petit peu le, le programme des choses des choses qu'on a prévues donc il y a de l'enquête du reportage du documentaire tout ce qu'on tout ce qu'on se disait là et parmi les les territoires qu'on va qu'on va explorer il y a plein de choses différentes qui sont prévues vous en avez entendu plusieurs extraits on va parler aussi bien d'affaires criminelles que de sujets de tout à fait d'aujourd'hui, de sujets web, on va l'évoquer d'ailleurs avec Lucie juste après, mais aussi d'affaires très anciennes, notamment le 17 octobre 61, qui est une date très importante dans l'histoire des luttes anticoloniales et qui va fêter malheureusement c'est un triste anniversaire c'est euh, euh, 60 ans cette année je fais que je fasse un petit calcul mental euh, et donc Tristan Till qui est un, un excellent documentariste euh, nous a proposé d'en faire un documentaire qui va être à mon avis, euh, en toute objectivité, très très bien, euh, qui surtout a l'avantage et le, le côté très inédit de se baser sur des archives qui n'ont jamais été entendues, euh, les archives d'un chercheur qui s'appelait Jean-Luc Kennedy, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui a été un de ceux qui a amené Maurice Papon devant la justice, euh, et qui... À récolter la parole de beaucoup de témoins et beaucoup de, de personnes qui ont assisté des deux côtés, donc côté policier, côté manifestants, à cette manifestation très sanglante et qui surtout les a enregistrés. Donc on a des archives audio que Tristan est en train de mettre en place et qu'avec Solène Moulin, euh, réalisatrice chez nous, ils vont. Euh, compacté dans une série de, de trois épisodes qu'on vous fera écouter euh, au mois d'octobre. Voilà. Euh, avant de parler plus avant de la solitude du modérateur avec Lucie, euh, un petit mot sur ce que David vous disait sur la place, effectivement, de la réflexion autour du journalisme cette saison, euh, on s'est rendu compte au fur et à mesure des saisons, à force d'entretiens avec des confrères et des consoeurs, euh, notamment par exemple cet été des ordres extraordinaires avec Sophie Nivelle cardinal euh, grand reporter de guerre, qu'on parlait souvent, que souvent revenait sur la table la question du positionnement du journaliste par rapport à son sujet. Car une vieille lune, hein, euh, très clairement dans notre métier le rapport, objectivité, subjectivité. Et on s'est dit... Tant qu'à faire, sautons à pied joint dedans et euh, entamons une série de réflexions, donc de discussions, hein, très clairement, avec des confrères et des consoeurs autour de cette euh, place de la subjectivité dans notre métier. Donc, on va commencer à le faire, a priori, début octobre, normalement avec Ariane Chemin, euh, si, tout, si tout va bien, euh, qui était OK sur le principe. Et euh, voilà. Donc, ce sera des cycles de conférences, assez clairement, qui seront transformés après euh, en podcast et euh, qui donneront lieu. Normalement, une publication à la fin de la saison. Voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je demande à Lucie, Lucie Ronfaux, mon camarade Lucie Ronfaux qui est habituée de programme B, de venir. Salut Lucie. <laughs> on fait comme si on s'était pas vu, mais en fait, on s'est vu tout à l'heure, on a bu un café. Euh, donc Lucie, qui fait partie des premières euh, dans le programme de programme B euh, du mois de septembre, euh, avec cette série sur la solitude du modérateur, qui sortira le, je regarde mon calendrier, le 20 septembre là-bas parce que mon bureau est là, euh, le 20 septembre. Euh, on va pas détailler totalement de quoi, de quoi il sera question, donc c'est la modération sur Internet. Il y a un aspect qui est important c'est qu'on n'est pas parti sur un, le terrain qui est le plus connu de la modération, qui est celui de la modération des grands réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, qui a été souvent évoqué. Toi, tu as choisi d'autres angles d'attaque oui, tout à fait. Donc cette série, en fait, son but, c'est de lever un peu le voile sur la modération. Ce que la modération en ligne, c'est un sujet dont on a tous entendu parler, qui est très d'actualité, qui est pourtant très invisible, euh, et qui ne se limite pas aux GAFA. Alors, c'est des sujets qui sont très importants, qui sont déjà très bien traités par plein de médias. Et moi, j'avais envie de faire parler des modérateurs et des modératrices, mais qui font d'autres choses, en fait. Euh, des gens dont c'est le travail, des gens qui sont bénévoles, parce que la modération, c'est aussi ça, en fait. Hein. C'est ouais. des gens qui, qui, tous les jours, modèrent euh, bénévolement des, des sites, des forums, etc. Du coup, cette série, c'est trois entretiens croisés avec euh, trois modérateurs et modératrices. Il y en a une qui travaille euh, depuis plus de 20 ans dans une, une entreprise de modération qui modère euh, les plus grands sites français, euh, dont certains représentés dans, dans cette salle. Il mmh. euh, y a un modérateur de Reddit qui travaille sur euh, la, la plus grosse communauté francophone de Reddit. Et la dernière, c'est une modératrice indépendante féministe qui se met au service en fait des créatrices en ligne pour les protéger un peu de, 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 bah, de cette modération des GAFA qui ne marche pas. <laughs> Et euh, voilà, donc le but c'est de montrer la modération dans toute sa diversité et dans sa réalité aussi, parce que moi je, je crois vraiment que si la modération était plus transparente et plus valorisée aussi euh, en tant que travail, en tant qu'activité, on réglerait beaucoup de problèmes en ligne. Est-ce qu'il y a, tu parlais de la réalité, est-ce qu'il y avait une, il y a une grande différence entre euh, ce que tu projetais, toi, ce que tu imaginais euh, être leur quotidien, euh, ces modérateurs, modératrices, et justement la réalité de leur, de leur travail. C'est intéressant parce que moi j'ai toujours beaucoup passé de temps sur internet, donc j'ai déjà été modératrice, mais de forum quand j'étais ado. Donc ça j'avais plutôt une bonne idée et le, le modérateur de Reddit m'a un peu rappelé cette époque. Moi, ce que j'ai complètement découvert, c'est déjà un la réalité de la modération professionnelle en France. Parce qu'encore une fois, voilà, la modération, c'est pas qu'aux Philippines, c'est pas qu'en qu Inde, ça l'est aussi mais c'est aussi en France et c'est un travail qui est très difficile et pourtant essentiel et puis la modération indépendante c'est un truc que j'ai complètement découvert aussi et qui m'a un peu donné le vertige un peu ce de l'imaginer ce futur du web dans lequel en fait on est tellement submergé par la haine par la violence qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir des gardes du corps numériques. et ça c'est un peu la réflexion que je voulais aussi amener dans, dans cette série une manière de, de se projeter peut-être. C'est ça, euh, ouais, de réfléchir au passé, euh, au présent et au ouais. futur de la modération. Très bien. Et donc on écoutera ça à partir du 20 septembre dans le Programme. Mais merci beaucoup. Merci. Lucie. Et euh, dans la, la semaine suivante, la semaine après euh, ce, ce documentaire de, de Lucie, il y aura un autre documentaire qui est signé par Maïel Diallo, qui est ici aussi, que j'invite à me rejoindre. Euh, salut Maïel. Salut. Bonjour toi tu as travaillé sur euh, la pauvreté d'ailleurs c'est une série qu'on a appelée Salaud de pauvre histoire d'être dans la modération nous aussi euh, a une série qu'on a bossé avec le Secours Populaire euh, voilà, qui nous avait euh, proposé de travailler sur cette, euh, cette thématique là euh, Évidemment, c'est un sujet super vaste. Si on dit la pauvreté en France en 2021, ça peut faire un peu sujet à thèse gigantesque. Tu as choisi, toi, d'entrer comment dans le, dans le sujet euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément la pauvreté en France au point de vue des chiffres, euh, au point de vue des statistiques, mais c'était qui sont les personnes pauvres en France en 2021, euh, qui sont ces gens qui vivent dans la grande précarité. Et il fallait aborder le sujet aussi sans condescendance, sans se placer au-dessus d'eux quand on est une personne privilégiée comme, euh, comme vous et moi. Et, euh, et voilà, c'est comme comme ça que mmh. j'ai décidé de rentrer dans le sujet. Et justement, bah, ça rejoint ce qu'on qu disait tout à l'heure sur la, la notion de subjectivité, le, comment on se positionne par rapport à son sujet. Comment t'as fait, toi, pour justement éviter ces écueils-là de, de condescendance que t'avais identifiés avant, j'imagine bah, Je pense que la première étape, ça, allait, ça a été de faire un reportage pour aller au plus près de ces personnes-là, pour euh, échanger avec elles et me rendre compte qu'il n'y euh, bah, avait pas forcément de... Enfin, c'était des personnes comme les autres, en fait, euh, qu'on pouvait discuter tout à fait de, de tout sujet avec eux. Euh, que... Je connaissais très mal ce monde-là aussi. Et c'était important pour moi de traiter ça de manière proche, en fait, en donnant la parole à ces gens en essayant de faire en sorte que ce soit eux les personnages principaux de ma série, euh, sans que ce soit juste des experts qui nous expliquent qu'on mmh. voilà, est pauvre quand on est en dessous du seuil de pauvreté, pauvreté etc., qu'il y a aussi des, des caractéristiques sociales en fait. Mmh. Il y a d'ailleurs pas mal de témoignages. Est-ce qu'il y a un témoignage parmi les, ceux que tu as recueillis qui t'a marqué plus que d'autres euh, Oui, il y a un témoignage très fort euh, qu'on entend dans la bande-annonce d'ailleurs, qui est le témoignage de Mich Michel Pouzol, qui est maintenant homme politique et qui a été dans la pauvreté pendant plusieurs années, dans la grande... Même il vivait dans un cabanon avec euh, ses enfants et sa femme. Et il explique euh, effectivement, euh, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, qu'il n'avait même pas 25 euros pour s'acheter un radiateur. C'est quelque chose d'absolument vital. Et, euh, et il m'a raconté plein d'autres anecdotes comme ça qu'on peut entendre dans le podcast qui sont, euh, qui sont juste effarantes en fait et qui m'ont donné envie moi aussi de militer euh, contre ça. Merci beaucoup, Mayel. Et il y aura aussi dans Programme B, je ne l'ai pas précisé, c'est un peu la, la dernière, le dernier axe important qu'on va développer cette année. Il y aura une grande place accordée à la narration, au sujet narratif. C'est pour ça que ma camarade Juliette Livartowski, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute, euh, m'a rejoint. Euh, Juliette, toi qui a, as fait beaucoup de récits narratifs pour Binge dans le podcast Connaissez-vous, et tu rejoins la grande oui, équipe de Programme vous B On t'accueille dans, dans Programme B pour des séries exceptionnelles, euh, des grands récits. De narration qui auront lieu tous les trimestres. C'est ça. Et euh, je vais continuer un peu ce que j'ai amorcé cet été, où j'avais fait une série sur les reines, mmh. euh, où j'avais raconté l'histoire de la reine de la nuit, donc Marie-Calas. J'avais raconté l'histoire de la reine de la coca, qui était une, une trafiquante de drogue qui se trouvait être la menteur de Pablo Escobar. Et là, je vais continuer à raconter des, toujours des. Trajectoire de personnages dont on ne connaît pas nécessairement la ville, mais qui ont un impact plus grand qu'eux euh, mmh. au sein de la société. Et, euh, et donc, je vais les raconter de façon thématique. Donc, soit euh, un épisode, un personnage, soit une, un thématique, une thématique globale et euh, une progression euh, dramatique euh, au fil des épisodes. Et comme tu as plusieurs casquettes dans cette grande maison, tu t'occupes oui. aussi de production et tu vas être en charge des. Grande série qui nous occupe beaucoup de temps, beaucoup oui. de temps. Euh, on en produit deux par an à peu près, des, des très grandes séries. Il y avait eu à la recherche de Jeanne euh, L'Enfant Déraciné qui est, qui est paru cette année aussi. Et euh, au de, 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 de mes pères aussi, effectivement. Et, euh, et la prochaine, c'est pour le mois de décembre. Exactement, c'est courant décembre et c'est une série euh, qu'on va faire avec euh, Safjac Kessas et Quentin Bresson de Bingo Safia Kessa, c'est une journaliste belge et euh, dans cette série documentaire qui va s'appeler Des gens d'autrefois, Safia euh, va euh, essayer de reconstituer le fil de la vie de sa tante qui, lui, qui porte le même prénom qu'elle, Safia, et euh, qui a été assassinée dans des conditions extrêmement floues pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Euh, donc de Safia, on connaît très peu de choses, euh, on a très peu d'archives, même les dates ne correspondent pas tellement. Donc l'idée, c'est à travers des archives, des, des, des entretiens avec sa famille, avec des experts, des voyages, euh, on redonne vie à cette femme. Donc évidemment, on va parler de silence, de mémoire, de, et de toutes ces vies... Euh, et de ces générations qui ont été complètement traumatisées par cette euh, histoire, puisqu'elles n'ont pas pu faire le deuil, puisque soit ces récits n'ont pas voulu être euh, racontés, enfin on n'a pas voulu les oui. entendre, soit ils ont été complètement invisibilisés euh, sciemment. Donc ça c'est courant décembre et, et il y en aura sans doute une autre. Euh, on est hyper contents de produire ce genre de, ce genre de format parce qu'il y a un travail d'écriture, de recherche, une enquête, euh, un voyage, un reportage. Donc euh, voilà, c'est. Euh, on est très fiers de proposer ça. <laughs> et on proposera ça, donc tu l'as dit, ouais, début décembre. Euh, parmi les grandes nouveautés de cette rentrée, on l'a dit tout à l'heure, il y a notre entrée en fanfare dans le, le monde du débat. Et je vais demander à David de revenir et à Judith Duportail de nous rejoindre aussi. Et je vais repasser le micro et je vous dis à tout à l'heure. Merci Thomas. Euh, je reviens quelques instants avec euh, Judith pour vous, effectivement, vous parler de, de l'autre programme euh, important. Euh, de, de cette rentrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu envie de euh, on, a, on a envie de régler cette frustration de, de la question du débat en ce moment euh, tel qu'on nous le propose dans les différentes sphères médiatiques, euh, où c'est plutôt euh, une succession de... De postures individuelles plutôt que de vrais échanges. Et on se dit que, en ce moment, c'est plutôt vers l'échange qu'on a envie de se tourner. Et ça n'empêche pas une forme d'engagement, ça n'empêche pas une forme de contradiction. Mais il y a une autre manière, on pense, de discuter, de discuter des sujets de société de manière plus intelligente, plus apaisée. Et donc, on a demandé à Judith de réfléchir à travailler cette question-là parce qu'on avait envie très envie de travailler avec elle euh, depuis un moment. Et euh, on a trouvé un titre qui s'appelle On ne peut plus rien dire. Je voudrais te demander déjà euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors, euh, on a choisi ce titre euh, On ne peut plus rien dire, donc une expression euh, éculée que vous connaissez tous. Euh, notre ambition déjà, c'était de, de nous la réapproprier et euh, nous la réapproprier, ça voulait dire aussi réapproprier le concept de parole libre, parce qu'il y a quelque chose d'assez tragique quand même aujourd'hui, dès qu'on évoque le simple concept de parole libre, euh, la première chose à laquelle on pense, c'est souvent en fait à, à l'extrême droite. Et donc euh, notre ambition, voilà, c'est de euh, être capable de fournir cette parole qui soit euh, euh, bah, décomplexée, j'ai envie de dire, mais euh, d'une autre manière. Euh, pour cela en fait on va se réunir donc euh, toutes les semaines, on va aborder des questions euh, euh, d'économie, de féminisme, aborder des, euh, la critique euh, du capitalisme, évidemment euh, l'élection présidentielle, la politique, euh, la cinquième république mais aussi euh, les papillons, les étoiles etc. Enfin on veut parler de tout ce qui fait l'actualité mais tout ce qui fait aussi euh, nos rêves, nos pensées, euh, tout ce qui, qui peut traverser euh, notre esprit et euh, avec une ligne éditoriale volontairement espiègle. Alors, on a travaillé un pilote déjà euh, qu'on a fait cet été. Euh, L'idée, c'est de partir d'un sujet qui est dans l'actualité et puis de gratter ce qu'il y a derrière et voir quels sont les débats de société qu'il y a derrière. Donc, on a fait un pilote sur. Euh, on est parti de l'histoire de Britney Spears pour en fait. Le, le toile de fond, c'était la haine sur les réseaux sociaux, comment on la gère, comment on la traite. On revient un peu au sujet de la modération que traitera Lucie aussi, in fine. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples de thématiques que tu auras envie de traiter oui, tout à fait. Alors, nous avons travaillé sur plusieurs questions qu'on pourrait se poser ou qu'on se posera sûrement ou peut-être euh, autour de, de l'actualité. Comme je disais, on a choisi une ligne éditoriale volontairement espiègle pour pouvoir apporter aussi de la légèreté et se moquer de nous-mêmes euh, dans ces conversations. Alors, une des premières idées, inondation, catastrophe, méga-feu, été des calamités, en quoi êtes-vous responsable TikTok, la génération Z a-t-elle une âme Deliveroo, donner un pourboire suffit-il à laver votre conscience Woke, êtes-vous engagé ou êtes-vous juste pénible Climat, la Terre a-t-elle une conscience Politique, voteriez-vous pour vous-même euh, ces questions qu'on veut un petit peu piquantes, elles nous permettent d'avoir une porte d'entrée pour après aborder tous ces sujets en profondeur et avec sérieux. Euh, pour faire cela, nous convirons autour de la table euh, des zadistes, mais aussi des poètes, des start-upers, des thésards, pourquoi pas des stars de cinéma ou des politiques, on s'interdit rien. Et, euh, mais des personnes que nous choisirons et que nous convirons parce que nous estimons qu'elles ont quelque chose à dire, même si on n'est pas tout à fait d'accord, mais on estime qu'elles ont quelque chose à dire et à apporter et des concepts nouveaux à faire découvrir. Donc on va rien s'interdire. Qu'est-ce que tu as envie de mettre de toi dans cette émission Alors moi, euh, ce titre, on peut plus rien dire. Il m'est très cher parce que c'est quelque chose que j'ai entendu. Je pense, euh, enfin, on peut plus rien te dire du coup, à peu près euh, toute ma vie, euh, parce que depuis mon adolescence, je suis féministe, végétarienne, à la fois grande gueule et sensible, ce qui est un mélange un peu, euh, un peu, voilà. Euh, en fait, assez répandu, finalement. Et, euh, et donc, je l'ai entendu un peu sous toutes ces variantes. On ne peut plus rien dire, t'es relou, t'es trop radical, tu desserres la cause, tu casses l'ambiance, euh, tout ce genre de choses. Et j'espère euh, réussir avec ce podcast à créer un endroit, un lieu de rendez-vous, en fait, pour tous ceux à qui on le répète aussi euh, en permanence, euh, que ce soit euh, notre maison, un petit peu, et qu'on aille desservir la cause euh, tous ensemble. Je te remercie beaucoup, Judith. Merci. On va passer à la suite. Et donc Joël revient avec Karine Lanini. Et Victoire tu ce que vous dites euh, Oui Victoire depuis tout à l'heure, effectivement. Tiens, viens avec nous. Euh, donc euh, voilà, on va vous parler d'un sujet... Euh, très important, euh, qui est celui de Binge Audio Édition. Alors, je suis avec Karine Lanini, qui est directrice éditoriale de Binge Audio Édition. Victoire Toillon, que l'on ne présente plus, qui est l'autrice des Couilles sur la table, euh, du cœur sur la table, tout ça en podcast, en livre, et maintenant directrice de collection. Juste un petit mot, euh, Karine, est-ce que tu peux nous reparler de l'aventure du livre du, des Couilles sur la table, en fait Comment. Euh, Comment c'est arrivé cette histoire Alors bah, ça remonte à 2019, euh, le podcast Les Couilles sur la Table était déjà un énorme succès et Victoire et euh, toute l'équipe de Binge ont eu envie d'en faire un livre et plutôt que d'aller voir une maison d'édition extérieure, ils se sont dit bah, et pourquoi on ne deviendrait pas nous-mêmes éditeurs, ce qui avait complètement du sens puisque euh, Binge produit énormément de contenus qui, qui peuvent ensuite... Euh, pas, il peut y avoir des passerelles assez naturelles entre les contenus édités dans Binge et des livres. Et donc, ils sont venus me voir et on s'est dit ensemble, on va transformer, enfin, on va. Ajouter à l'activité de Binge une activité d'édition. Alors, les couilles sur la table, c'était un premier essai. Euh, on s'est dit, on va le faire tout seul et on va le faire comme on y croit, c'est-à-dire qu'on va y mettre tout notre savoir-faire, tout notre envie, et puis on va, on, va le, le, on va le proposer à nos auditeurs en pré-vente. Euh, on ne savait pas exactement combien de pré-ventes on allait pou pouvoir faire. On en a pré-vendu 4500, ce qui était énorme. Tous les acteurs traditionnels de l'édition nous regardaient un peu avec des, avec des gros yeux. Et puis après, on s'est dit, bah comme c'est un succès en prévente, on va le mettre en librairie. Et là, aujourd'hui, alors je vous parle, on est à 45 000 exemplaires vendus, euh, tout compris, ce qui est ce qu'on peut appeler dans l'édition un énorme succès. Donc on s'est dit, ben bah, en fait, ça c'était une très bonne idée de, de, de poursuivre l'édition de Binge à travers des livres. Et puis, comme je le disais, il y a énormément de contenu qui s'y prête. Et on s'est dit qu'on allait continuer avec d'autres contenus. Bah, ça, on s'est dit on va pas rester l'éditeur d'un seul livre, fût-il un best-seller. Donc on, on, on en a projeté un deuxième, ce deuxième. Livre, le livre, c'est Le Cœur sur la Table. Alors Victoire et Karine, qu'est-ce qu'il y aura dans Le Cœur sur la Table qui sort en grand format le 4, 12, octobre, 12 octobre et qui a été prévendu Alors tu citais 4500 pour le, les couilles sur la table et Le Cœur sur la Table, aujourd'hui on est à plus de 6600 préventes. Donc effectivement, on peut s'attendre aussi à un intérêt important de la part des auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Le Cœur sur la Table bah, écoute, ça tombe bien que tu me poses la question, Joël, parce qu'on a justement euh, relu les épreuves hier avec Karine. Donc, dans ce livre, euh, Du cœur sur la table, on n'allait évidemment pas à faire un simple décalque des épisodes. Euh, en version papier parce que ça aurait pas beaucoup d'intérêt. En fait, euh, ce qu'on a mis, c'est que bon, il y a quand même tout le contenu du podcast qui se retrouve en livre, euh, qui est transcrit, et puis ensuite, on a intégré énormément de témoignages qu'on a reçus suite aux épisodes du cœur sur la table. Donc, on a reçu plus de 1000 témoignages. Il y a une sélection qui a été faite qui correspond à chaque épisode afin qu'on puisse que les lecteurs et les lectrices puissent retrouver euh, une partie de leur expérience, ou alors une expérience complètement différente de la leur. Donc, je le répète parce qu'on fait comme si tout le monde connaissait le cœur sur la table, mais c'est un podcast sur euh, les relations intimes, affectives, amicales et amoureuses qu'on traite d'un point de vue politique en essayant de montrer l'articulation du plus petit niveau intime jusqu'au plus grand niveau politique, d'articuler le politique et le psychologique. Et à part ça, dans ce livre, il y, y a une partie cœur qui est la partie euh, qui correspond au podcast, la partie cœur avec un H qui est la partie des témoignages. Et il y a euh, énormément de sources et de ressources. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement dénoncer, montrer ce qui ne va pas, euh, montrer tous les points qui sont douloureux dans les relations, on veut aussi offrir des horizons et des futurs désirables. Et donc, dans chaque chapitre, on a proposé une sélection de... 12 œuvres d'art de tous genres différents qui offrent des voies vers des relations qui sont enthousiasmantes et égalitaires et heureuses. Voilà. Et ce livre, on l'a pensé vraiment comme une manière de prolonger la grande conversation collective que Victoire et toute l'équipe de Binge ont initiée avec ce podcast. Et par ailleurs, c'est un très très beau livre parce que là, elle parle du contenu, mais il va être magnifique visuellement. On ne fait que des beaux livres, en, fait. en quadrille, euh, avec une belle couverture, un hein, contre euh, rabat, des rabats. Des rabats. Des rabats <laughs> euh, et juste pour dire, la même semaine, deux jours avant sort donc le, <laughs> les couilles sur la table. Euh, deux jours après. Deux jours après le 14, le 14. Euh, sort les couilles sur la table en, en poche. C'est euh... dans la collection Point Féministe, euh, qui est la collection que Point Seuil a lancée euh, en avril dernier et qui accueille euh, en, po en version poche euh, les grands textes féministes euh, de l'époque. Et donc, on a été très heureux de travailler avec eux pour leur proposer le, de publier en poche euh, ce, ce, ce livre de victoire. Alors, on aura d'autres, euh, euh, en 2022-23, euh, d'autres. Euh, euh, livres unitaires tirés de nos programmes, mais euh, en fait, euh, on a eu aussi une autre idée. Enfin, vous avez eu une autre idée, mais peut-être Victoire, tu peux nous dire comment est née la collection sur la table. Oui, donc euh, en fait, en faisant des recherches là sur euh, l'amour, la sexualité, les relations et tout, euh, parce que bon, c'est un des trucs euh, de travailler ici, c'est que j'ai le temps de faire ces recherches-là, et de lire toutes sortes de choses. En fait, je suis tombée sur plusieurs euh, essais. Écrit en anglais ou en espagnol, que je trouvais fascinant. J'avais envie de dire à tout le monde, mais lis le en fait, c'est exactement ce dont on a parlé. Euh, il faut absolument le lire parce que ça a dit de façon très simple tous les problèmes que là on rencontre dans nos, nos vies amoureuses et tout ça. Donc lis le Et en fait, ce n'était pas traduit. Donc j'ai dit, mais vraiment, il faut que ces livres-là soient traduits en français. Donc il y a une partie de la collection sur la table, c'est des traductions. Et puis, en faisant ces recherches, euh, je suis aussi tombée sur des auteurs et des autrices. Euh, qui m'impressionnaient par leur clarté, leur radicalité, euh, la façon neuve dont ils abordaient euh, des questions très intimes, encore une fois avec un prisme politique, ce qui me semble euh, en fait assez neuf euh, ces dernières années, c'est-à-dire de dire que en fait euh, le, ce qu'on peut appeler le développement personnel, ça peut aussi être euh, vu d'un point de vue collectif et politique, et ça c'est très nouveau, et je veux que la collection sur la table soit ça, voilà, cest à un peu moins de, enfin toujours autant de théorie, mais avec beaucoup de pratique, que ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, euh, le sexisme, le racisme, toutes les oppressions systémiques, qu'est-ce qu'on fait en fait dans nos vies et comment est-ce qu'on va faire en sorte d'être tous et toutes plus heureux et plus heureuses sans opprimer personne et à, pour mener des relations plus riches, plus profondes, plus égalitaires. Donc c'est ça qu'on fait dans la collection sur la table. Il y a un premier essai qui paraît le 21 septembre, qui est signé Juliette Drouard qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité parce que oui ça, ça peut être tout à fait un horizon désirable et vous le verrez en lisant son essai. Le, le, deuxième. Euh, le, de la collection. le deuxième titre de la collection c'est donc une traduction d'une autrice espagnole euh, qui m'a impressionnée qui a, dont on a pas mal parlé dans Le cœur sur la table qui s'appelle Coral Herrera Gomez elle avait jamais été traduite en français. Et le livre s'appelle Révolution amoureuse, voilà. Et c'est une des activistes et des chercheuses espagnoles qui a mis en évidence le concept d'amour romantique, puisqu'il y a un slogan célèbre en Espagne qui dit l'amour romantique tue. Donc c'est un essai de déconstruction de ce qu'on appelle de ce qu'est l'amour romantique. Alors, ce que disait Karine tout à l'heure, c'est-à-dire que le Binge Audio Édition, c'est un modèle original, innovant, en fait, d'édition de, de, et de distribution, de commercialisation. Donc, les euh, livres dont on a parlé, c'est-à-dire Le cœur et les couilles sur la table, ont fait l'objet de campagnes de préfinancement auprès de nos auditeurs-auditrices. Et euh, la collection sur la table, elle, en, euh, elle, sera distribuée directement en librairie. Donc, en fait, on, on a euh, comme ça, une euh, parce que euh, d'abord, euh, on, on, on a un lien assez fort avec la librairie, avec la lecture aussi parce qu'on a coutume de dire le podcast finalement c'est comparable à la lecture euh, et nos publics aussi sont similaires et pour nous c'est important d'être présent aussi sous forme papier dans les réseaux de librairie qu'ils soient indépendantes ou en distribution euh, on a aussi euh, on est éditeur à part entière mais on a aussi des collaborations puisque quand il y a un éditeur qui est mieux placé que nous euh, pour une raison, une raison ou une autre euh, sur un projet on travaille avec alors on a un certain nombre de coéditions on peut peut-être parler des deux euh, euh, premières qui sont la première avec First Edition autour de Kif Taras voilà, donc le podcast Kif Taras va être adapté euh, en, en coédition avec First et ça sort à la fin du mois d'octobre. Donc on a travaillé euh, ensemble avec les éditrices de chez First et euh, Rokaïa Diallo et Grassley pour que ce podcast devienne, devienne un livre. Euh, et on a un autre projet aussi euh, avec, euh, le, en partenariat avec Le Robert qui est l'adaptation le, le 7 octobre euh, du podcast Parler comme jamais de Leila Veyron. Voilà. Et on aura d'autres projets en 2022, 2023, on vous en parlera le moment venu. Euh, et donc voilà, voilà un petit peu peut-être... Peut-être euh... peut juste rajouter un mot sur, sur la collection et sur l'activité de, de Binge en tant qu'éditeur. Ça rejoint un peu ce que disait David tout à l'heure avec, avec cette maison d'édition. On a envie de, de prendre un espace éditorial qui n'est pas encore occupé. C'est ce dont on s'est rendu compte quand on a commencé à réfléchir à la, à la collection. Ces livres, ils existent chez Binge Audio Édition, mais il, en fait, il n'y a pas vraiment d'éditeur chez qui ils auraient pu exister. Par exemple... Exemple, le livre de Julie Droard, Sortir de l'hétérosexualité, sur lequel pour l'instant on a vraiment de très très bons retours et qui est un livre qui manquait dans la production éditoriale française. Bah, il se trouve que moi je suis aussi agente littéraire et j'avais essayé de, de proposer ce livre à des éditeurs et tout le monde me disait ah, c'est super. Super. Par contre, c'est pas pour nous. C'est vraiment trop niche. C'est vraiment. Enfin, ça n'allait jamais. Et nous, on s'est dit, bah, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse, euh, ben bah, on va le faire. On est un média. Euh, on... on veut faire passer, enfin, répandre des idées auxquelles on croit. Et bien, justement, avoir une maison d'édition, ça a aussi du sens par rapport à ça. Et le slogan de la maison d'édition, c'est euh, l'éditeur qui raconte aujourd'hui le monde de demain. Et on pense que avec la collection sur la table et les autres titres de Binge du Édition, on... on en prend le bon chemin. Pour la dernière info technique, s'il y a des libraires qui nous regardent sur YouTube, on est diffusé par Dilisco. Voilà, on a terminé cette partie. Euh, donc, on va passer maintenant la parole euh, à Soraya Kershaoui-Matignon, qui va nous parler des très belles productions de marque et notamment euh, l'événement de la rentrée, mais en avant-première, parce que ça n'a même pas été annoncé nulle part. Donc, là, vous allez bénéficier euh, d'un petit avantage. Je ne ce que tu me dis. Ah oui, on écoute quelque, quelque chose. Ah oui, je pensais qu'on... Là, on va vous faire écouter un extrait d'un des premiers épisodes de ⁇ Ça a commencé comme ça ⁇ Je vous en dis plus après. Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Épisode 1, David Ammons. Vous êtes à New York, en plein hiver. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hiver américain, il faut savoir qu'il est vif, sec. Il vous pique les joues, vous gèle la bouche et vous colle les narines. On marche souvent tête baissée en se disant que ça va nous réchauffer et on avance en regardant nos pieds qui font couiner la neige. Ça sonne peut-être comme un supplice, mais. C'est parfois étrangement agréable. C'est un dimanche de février dans le carrefour de Cooper Square, à Manhattan, le 13 février 1983 plus exactement. Autour de vous, peu de choses l'indiquent. Peut-être l'aspect des rues, les façades délabrées des vieilles boutiques, car List Village n'est pas encore le quartier aisé qu'il est devenu aujourd'hui. Devant vous, des vendeurs à la sauvette qui, comme tous les jours, étendent des fripes, des objets de toutes sortes, déposés sur des couvertures ou des cartons à même le sol. Bref tout ce qui peut leur apporter quelques sous. L'un d'eux attire votre attention. Pas parce qu'il vend des réchauffements, ces petits sachets de poudre auto-chauffante qu'on met dans les moufles. Non. Il attire votre attention parce que ce qu'il propose n'est pas commun. Vraiment pas commun. Cet homme vend des boules de neige. Des petites, des moyennes et des grosses boules de neige. Joliment disposées par ordre croissant sur un tapis coloré. Ça semble séduire les passants. Beaucoup en rient et d'autres se prennent au jeu. Regarde les boules avec curiosité, les sous comme une marchandise crédible. Il pose des questions au vendeur. Et ce vendeur, justement. Personne ne le sait, mais cet homme qui se fend dans le décor de la rue, à la barbe grisonnante et habillé d'un long manteau gris, c'est David Ammons, un artiste américain. Et sans le savoir, vous venez de participer à son œuvre, le Blizzard Ball Sale, la vente des boules Blizzard. Dans le langage artistique contemporain, on appelle ça une performance. C'est une œuvre éphémère, immatérielle, mais pleinement une œuvre. Et si on le sait aujourd'hui, c'est parce qu'il en existe des photographies. David Ammons a façonné ses boules à l'aide d'un moule, les rendant bien rondes et les a entreposées d'une manière très précise, formant un ensemble qui a attiré votre attention et qui vous a peut-être fait sourire. Mais non, rien n'était dû au hasard. Alors on a choisi de vous faire écouter... Euh également euh, cet extrait, cette bande-annonce, euh, parce qu'à Binge Audio, comme on a pu le dire, euh, on produit, euh, en plus des programmes dont on a déjà parlé, euh, des productions pour des, pour des tiers, pour des partenaires, qui peuvent être des marques, des institutions, euh, des organismes d'intérêt général, euh, des organismes publics et des institutions culturelles, euh, euh, comme, comme vous pouvez le voir. Euh, on y met beaucoup de, de métiers, de cœurs, euh, d'ouvrages. Euh, on, on, on revendique pour une partie également euh, ces... Euh, ces productions euh, en associant la marque Binge Audio euh, et, euh, et le partenaire lorsque c'est pertinent. Et euh, là, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, de, Soraya Eh bien, ça, ça vous a été révélé par... Est-ce que vous, d'abord, vous avez reconnu la voix Non Bon, ça vous a été révélé par Charlotte Lebon, qui euh, incarne le programme « Ça a commencé comme ça ».« Ça a commencé comme ça », c'est le... Pro, le, podcast, le premier podcast de Bourse de commerce Pinot Collection, euh, coproduit avec Binge Audio, dont on est très très fier, dont on a très hâte qu'il sorte, puisqu'il sort très officiellement le 24 septembre. Euh, ça sera un bimensuel tous les deux vendredis du mois et euh, on va comme ça pendant dix épisodes donc courir jusqu'à février et surtout euh, raconter un peu le point de vue de Bourse de Commerce Pinot Collection euh, je, vous, je vous dirai un peu plus de choses pour, sur Bourse de Commerce après mais euh, l'idée à travers cette collection et c'était une idée très très claire dès le départ de la part de Bourse de Commerce c'était de raconter euh, le point de vue de Bourse de Commerce de l'art contemporain euh, le point de vue en tout cas de, de monsieur Pinault, de François Pinault euh, sur l'art contemporain qui a collectionné euh, 10 000 œuvres euh, ça, ça correspond à environ euh, 350 artistes voilà et nous à travers chaque épisode on va raconter un artiste, une performance mais on va tirer ce fil là pour raconter aussi une, une certaine société puisqu'on va traverser les époques, on va aller dans plusieurs pays, New York, Parlem, Palerme, Paris, Berlin etc et cette série immersive vous l'avez entendu c'est Immersive, on essaye de plonger l'auditorice dans euh, cette société de l'époque et on va raconter aussi ses mutations, ses changements. L'idée, c'est vraiment de profiter de raconter un artiste, de aussi raconter l'art contemporain et le point de vue de François Pinault euh, par un, un podcast qui, 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 va, euh, qui est là pour euh, en tant que. Une, outil de médiation en tout cas sur l'art contemporain. On ne veut pas vulgariser, mais en tout cas, on veut raconter les choses simplement et surtout, on veut que ça parle à l'audience en lui racontant la société. C'est vraiment euh, euh, notre notre point d'entrée. Et là, vous l'avez vous l'avez euh, remarqué à chaque, dans chacun des épisodes, on va avoir ce, ce début là de, euh, on attrape l'auditeurice en le mettant dans dans une certaine ambiance et la fin d'introduction commence par ça. ça a commencé comme ça. On part d'une performance et on tire le fil jusqu'à la vie de l'artiste, là en l'occurrence David Ammons, euh, sa société, ses combats, euh, ses luttes euh, et ses mutations. Donc euh, voilà. Après je peux vous raconter un peu comment euh, comment ça s'est fait parce que c'était il c'est un travail de longue haleine. On est très fiers, parce que c'est une institution prestigieuse, donc c'est un programme ambitieux. Euh c'était il y a un an et demi, je crois, Stéphanie. Stéphanie Hussenois, euh, qui est directrice bouya haïti qui est directrice de communication, accompagnée de Clémence Laurent de Cassini. Euh, C'était il y a un an et demi environ. Euh, ça s'est fait. J'aurais préféré faire le storytelling avec un coup de fil, mais bon, l'époque veut que ce soit un mail. Euh, voilà. Donc on a reçu un mail qui nous disait que Bourse de Commerce voulait nous rencontrer. Donc on y est allé avec Joël Ronez. On était un peu euh, euh, moi. L'art contemporain, j'avais cette vision-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à Bourse de Commerce que je suis beaucoup plus euh, à l'aise avec euh, cette, euh, cet art. Euh, et puis, j'avais une idée très claire. Voilà, tout ce que je viens de vous raconter, c'était dit comme je viens de vous le dire. Et puis, on s'est euh, lancé dans l'aventure ensemble. C'est euh, écrit, écrit par Caroline co coécrit avec Bourse de Commerce, interprété par Charlotte Lebon, réalisé. J'espère que vous avez pris du plaisir à la réalisation, par Maxime singer. Euh, avec une musique originale que vous entendez de Nicolas Ollier. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Ah oui, et toujours dans cette logique de médiation, donc la sortie officielle c'est le 24 septembre, euh, on fait une avant-première à la Bourse de commerce, tout simplement, euh, dans l'auditorium, le 22 septembre. Euh, c'est payant, donc c'est une billetterie, mais Bourse de commerce a tout un un panel d'abonnés, surtout moins de 26 ans, donc il y a des tarifs préférentiels, mais c'est toujours dans, dans cette volonté-là de, de, de donner accès à, à, aux collections. Euh, ça va être une soirée, donc on va avoir, écouter les trois premiers épisodes en avant-première, et s'ensuit ensuite euh, une visite des artistes concernés, donc des, des parties concernées. Euh, du coup, il y a huit médiatoristes euh, ce soir-là euh, pour répondre aux questions euh, des personnes qui seront présentes et, euh, et pour les accompagner euh, toujours dans leur, dans leur visite. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci Soraya. Absolument. Comme vous avez pu le voir, sur un programme comme ça, comme sur d'autres programmes, en plus de l'équipe permanente que je présentais tout à l'heure, il y a tout un tas de talents avec qui on travaille des auteurs, des autrices, compositeurs, compositrices, en réalisation. Tout un tas de talents. C'est plusieurs dizaines par mois. Et je crois que depuis le début de Binge Audio, c'est plutôt de l'ordre de 500 personnes avec qui on a travaillé. Et on aime entretenir ces collaborations, aussi bien pour les programmes Binge Audio que pour les Programme partenaire. Et c'est euh, quelque chose, j'espère, qui, qui transparaît aussi euh, au travers de cette conférence de presse. C'est qu'on euh, on, on tient à ce vivier de talent, on tient à le maintenir vivant, euh, euh, très vivant, euh, dynamique. Et euh, ça c'est l'une des grandes forces euh, de, de notre modèle et de son avenir, euh, nous pensons. Euh, maintenant, euh, nous allons, euh, si vous avez des questions, euh, essayer d'y répondre euh, en faisant euh, parler les, les, bonnes, les bonnes personnes pour vous apporter les meilleures réponses. Oui, merci. Alors merci à ceux qui ont suivi en ligne, merci à vous qui avez suivi sur nos chaises donc de réunion dans ce dans cet ensemble hétéroclite. Alors peut-être ici, on n'a pas présenté, c'est une cabane qui s'appelle le Cabanistan qu'on a construit nous-mêmes avec l'équipe en arrivant ici en 2019. Ça sert, ici, on a été fabriqués parmi les meilleures œuvres de Bingo Dio. On peut y monter, on ne peut pas y enregistrer. Pour ça, ça, ça se passe dans le studio Virginie Despentes, dans lequel d'ailleurs Virginie Despentes est venue enregistrer son fameux épisode de, des gouilles sur la table en 2020. Est-ce que vous avez des questions alors, on a distribué à certains qui sont ici, on le mettra en ligne à midi, un dossier de presse. Celui que vous avez, euh, la version qui fait foi, c'est la version qui sera en ligne à midi. Parce que celui qui est là, comme vous savez, la radio, on fabrique jusqu'à la dernière seconde. Et il euh, y a encore un certain nombre de coquilles euh, donc, ici ou là qui se cachent. Il est assez conséquent. On a voulu détailler de manière importante enfin, l'ensemble des productions qui étaient proposées, euh, notamment dans Programme B. Donc, euh, voilà. Euh, du coup, euh, il sera envoyé, vous l'aurez par mail. Euh, il sera mis sur le site. Et. Euh, vous en avez une version sommaire euh, déjà. Et vous y trouverez des, des informations écrites sur les programmes qui continuent et dont on a un peu moins parlé. Euh Ici. Tout à fait. Alors, on, bien entendu, euh, le, le cœur sur la table, il reste encore deux épisodes, mais avec Victoire, on est toujours surprise, puisque finalement, ça sera trois, puisque l'avant-dernier le, le, va être divisé en deux. En fait, on a commencé avec des épisodes de 20 minutes, puis maintenant, on est à des épisodes de 1h20. Euh, donc, euh, voilà, c'est on, on mis en ligne, je crois que c'est le 9, donc c'est jeudi, euh, l'épisode suivant. La semaine d'après, suite d'après, la, la saison 1 du cœur sur la table se terminera au, au début de l'hiver. Euh, ensuite, le, les couilles sur la table, on aura des entretiens pour cette saison, donc ils vont reprendre. Le, les couilles sur la table avait été un peu mis en en pause, euh, le temps de permettre à Victoire de travailler sur le cœur. Et puis, euh, Keith, Taras, Keith Taras, qui ira davantage cette année, alors qui re, euh, avec Roger et Grassly, qui va euh, recreuser des questions déjà abordées dans les précédentes, euh, les précédentes saisons, mais également qui ira davantage à la rencontre des auditeurs-auditrices, que ce soit pour des enregistrements publics euh, qu'on organisera, ou alors dans le cadre de manifestations, ou de live Twitch euh, de manière régulière, pour répondre aux questions des auditeurs-auditrices, puisqu'on en reçoit beaucoup. Et il me manquait donc, évidemment, à bientôt de te revoir. Donc, on a dit le 2, mais c'est le 1er octobre. Je regarde Anaïs. Le, le, on fera le, la clôture du Wonderland. On avait fait l'ouverture. Euh, euh, donc, cet espace au 103 euh, boulevard de, de Vincennes, à Paris. On enregistre donc avec euh, Kio, d'ailleurs, le 1er octobre. Pour, euh, comme, euh, on enregistre donc deux émissions d'un coup, dont une avec Kio et l'autre, une programmation encore à venir. On enregistrera tous les mois, euh, on est ravi, on espère que ça le prolongera le plus longtemps possible. Évidemment, les conditions actuelles, c'est pour ça aussi qu'on soutient activement la, la vaccination. On l'a mis sur le dossier. C'est pas un, uniquement, euh, on va dire, une parole en l'air. C'est qu'on y tient parce que c'est aussi pour nous, euh, aussi pour les talents avec qui on travaille et aussi pour les artistes une manière de continuer à travailler. Donc euh, voilà, à Wonderland, on a une salle qui est en plein air. On a eu la chance de pouvoir travailler euh, cet été dans des conditions toujours très à court terme et on espère pouvoir travailler évidemment euh, cet hiver parce que maintenant on est de plus en plus en enregistrement public et on souhaite le faire dans des bonnes conditions. Alors est-ce qu'il y a des questions Oui, je vous... Chloé Voitier du Figaro. Oui, euh, l'année dernière vous êtes lancé dans l'aventure du payant avec la dose. Euh, est-ce que vous pouvez en faire un premier bilan Combien est-ce que vous avez d'abonnés à ce jour Alors un bilan rapide, euh, juste euh, ce qui était. Euh, dire que pour nous c'était à la fois une démarche stratégique mais c'était aussi une démarche c'est-à-dire qu'en fait c'est un point de départ euh, qui était de dire euh, on a euh, des, des auditeurs auditrices qui sont en demande notamment qui nous posaient beaucoup de questions et on n'avait pas forcément le temps l'opportunité d'y répondre au sein de nos programmes donc euh, dans la mesure où ça demandait de la valeur ajoutée on a dit bah, c'est une bonne opportunité pour faire un produit d'édition 100% numérique audio et mail donc en fait c'est comme ça qu'on a démarré à l'époque où le système du payant en podcast n'existait pas, là on était un peu innovant donc on a démarré avec un système original de distribution etc euh, donc on est assez satisfait du premier bilan on a lancé ça en décembre euh, donc, euh, dernier euh, et évidemment on était un peu en avance de phase puisque là euh, alors, au mois de mai euh, Apple Podcast est devenu payant euh, Spotify euh, va vous proposer aussi des des outils pour pouvoir faire payer et donc du coup euh, le format La dose euh, aujourd'hui va euh, est, est d'ailleurs présent dans Apple Podcast dans notre offre premium à 4,99 avec la possibilité de s'abonner pour avoir d'une part la dose en audio mais également tous les contenus sans publicité euh, et on sera disponible sur toutes les plateformes qui proposent ce système là euh, et ça veut dire aussi que dans l'hiver qui vient on va travailler pour janvier, euh, une refonte, en fait, euh, une évolution euh, du, du format. Peut-être, David, tu peux dire un mot oui, C'était un... ça, ça l'idée, c'est d'avoir une première brique qui nous permette de mettre un pied dans cet univers qu'on qu maîtrisait moins euh, et de continuer la conversation avec les gens qui nous écoutent et qui nous posaient beaucoup de questions et qui continuent de nous poser des questions. Donc, euh, c'est cette brique-là qui nous intéressait de commencer à construire. Euh, on se rend compte aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée d'Apple, que c'est une brique qui mérite d'être étoffée. Et donc, on va continuer la dose sous la forme actuelle. On va la modifier un tout petit peu. On va la. On va la on va la travailler un tout petit peu en cette rentrée. L'idée, c'est aussi de faire travailler, des, dans toute l'idée générale, de faire travailler, de produire des textes par des auteurs, des autrices, des intellectuels, des chercheurs, euh, des gens qu'on aime beaucoup, qui produisent des textes originaux, euh, qui rentrent dans notre ligne éditoriale et qui produisent aussi des briques de pensée qui sont extrêmement importantes, qui sont raccords avec l'ensemble de nos programmes, de programme B au cœur sur la table, en passant par les couilles sur la table. Euh, et donc, euh, cette idée de construire un univers... Euh, éditorial, euh, la dose joue ce rôle-là. Euh, et pour le reste, c'est ça. C'est une première brique. Il faut qu'on réfléchisse à comment ça s'insère dans une offre globale euh, dans notre stratégie payante pour 2022. Et en termes de, de chiffres, euh, aujourd'hui, on s'approche du millier d'abonnés à la dose, donc en mode, en mode payant. Euh, pour vous donner une idée, euh, nous, aujourd'hui, on a 600 000 auditoris euh, uniques par mois. Donc ça vous donne une idée de la proportion qu'on estime très encourageante euh, dans un écosystème euh, audio-parlé, euh, où il y a extrêmement peu de payants à la base en France et euh, qui est encore assez émergent. Donc on trouve ça très prometteur. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Bonjour Nathan Gallo de la Correspondance de la Presse. Euh, bah merci pour la présentation, c'était super intéressant, notamment sur l'édition. Je me demandais quand même euh, est-ce que euh, l'édition pour vous c'est euh, une manière de, de mettre en avant justement l'image de, de Binge ou est-ce que vous voyez quand même cela comme un, une manière d'avoir euh, des revenus complémentaires euh, Et si euh, ces revenus complémentaires, à combien vous les estimez euh, dans votre modèle alors, le, la proportion des modèles de, 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 des revenus euh, des différents, enfin, sources de revenus dans notre modèle, on va dire sur l'année écoulée, euh, c'est euh, ça a peu changé. C'est-à-dire, c'est 60% la production pour euh, les tiers, les plateformes, les marques, euh, 20% la publicité, 20% l'ensemble des revenus issus des auditeurs. c'est-à-dire les activités payantes de produits achetés au final par les auditeurs, que ce soit de la billetterie de spectacle, des jeux des livres, euh, avec une montée en charge qu'on espère la plus importante, des produits numériques. Parce qu'en en fait, sortant du Covid, c'est aussi pour ça, pour répondre à Chloé, qu'on avait poussé ce produit numérique. C'est que les livres et les spectacles, c'est super, mais quand tout est fermé, on s'est retrouvé un peu coincé. On s'est dit, bon, là, la notion numérique est d'autant plus nécessaire. Alors, pour répondre sur la question des éditions, c'est une part importante de ce revenu payant. C'est aussi pour ça qu'on l'a structuré, parce qu'en fait, on ne peut pas adresser ce marché sans pouvoir y mettre des moyens et des ambitions. Euh, mais avant ça, ça veut dire aussi qu'il faut détenir les contenus et le savoir-faire. Donc ça, évidemment, avec nos offres de programme depuis six saisons euh, écoulées, on avait ça, nos marques programmes. Ça veut dire que c'est un peu les deux, c'est-à-dire c'est une manière euh, de proposer un service supplémentaire à nos auditeurs auditrices. En fait, on est dans un modèle un peu intéressant, c'est-à-dire qu'ils écoutent les podcasts gratuitement. Et ils sont prêts à payer si on leur propose des produits à valeur ajoutée supplémentaires. Pas tous, ceux qui souhaitent, mais d'ailleurs ceux qui... Euh, ne souhaitent pas ou qui n'ont pas les moyens, bah, ils, ont, ils ont de toute façon une offre gratuite euh, accessible. Euh, et effectivement, on a, nous, dans nos auditeurs, auditrices, on pourra le détailler un peu. Si vous voulez, on avait fait une étude il y a un an qui est toujours disponible. On a une proportion de lecteurs, de gens qui sont abonnés à des plateformes qui est un peu supérieure à la moyenne. Donc, c'est à la fois un moyen de, de proposer un service supplémentaire, évidemment, de, de populariser et de, de, de con continuer à populariser nos actifs euh, immatériels, que sont nos marques Programme et la marque Binge Audio. Et c'est bien entendu euh, un calcul économique. S il s on a des ambitions de rentabilité dès le premier livre vendu, enfin dès le point mort, c'est-à-dire qu'on calcule de manière assez euh, scrupuleuse. Et euh, pour l'instant, euh, on, on tient nos objectifs. C'est-à-dire c'est vraiment une activité économique à part entière. C'est une activité euh, qui se mène dans les règles de l'art de l'édition avec les innovations qu'on a données, puisqu'on a un modèle un peu unique. On a la capacité de lancer des livres et d'atteindre le seuil de rentabilité avant la mise en diffusion en librairie. Ce qui n'est euh, pas forcément reproductible, hein, c'est-à-dire c'est innovant. On a innové, comme l'a dit Karine, euh, d'abord en accueillant des textes. Euh, qui n'ont qui pas forcément de place chez les autres éditeurs. Euh, Rappelons-nous, hein, le, les couilles sur la table, 50 000 exemplaires, 45 000. C'est un livre qui a été proposé aux éditeurs. Bon, on a fini par le faire nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, ben, on sera les meilleurs pour le faire. Et puis euh, finalement, y a, on, on a une demande, donc on va la satisfaire. Euh, C'est un peu le même calcul. Il s'agit euh, euh, donc d'innover ac en accueillant d'abord des nouveaux textes, mais aussi dans le modèle de distribution, que, puisque, en fait, comme on, on a Gabriel le rappelait, 600 000 auditeurs, auditrices uniques, c'est un moyen pour nous de les mobiliser pour pouvoir effectivement trouver nos produits. Avec euh, euh, un point très important, c'est pas d'impasse, pas de concession sur la qualité. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas des livres de fast publishing rapides. Même en, quand on travaille avec des éditeurs tiers, c'est à la fois, on s'assure qu'on a la possibilité, de mettre en œuvre le niveau de qualité suffisant, le temps nécessaire, c'est beaucoup de temps, euh, Karine pourrait en parler, c'est euh, souvent d'ailleurs des, des primo-auteurs, hein, autrices, qu'il faut a, a, amener aussi jusqu'à l'édition, donc c'est beaucoup de travail, c'est un savoir-faire particulier, mais c'est euh, pour nous, pour l'instant, c'est payant. C'est payant au sens où ça, on a un retour sur cet investissement, et on souhaite se développer, on a prévu plus d'une vingtaine de textes dans, dans les, les années qui suivent, enfin, l'année enfin, 21-22. Une dernière question avant de retourner au petit déjeuner. Oui, je vous en prie. Oui. Bonjour, Caroline stratégie. Est-ce que vous avez une envie de vous développer à l'international alors, on fait. Euh, alors, le marché de la radio, il a ceci de particulier, c'est qu'il est, qu est euh, très. C'est un marché lo local qui est, qui est structuré par langue. Euh, donc, on, on produit des contenus en anglais. Euh, on a produit, par exemple, pour Sibel, une version internationale en anglais de Black Panther il y a deux ans. Euh, on est capable de, de. Quand on a des clients, par exemple, dans le pôle marque euh, qui ont besoin de contenus en anglais, on le produit ou dans d'autres langues. Euh, par contre, on, on fait des coproductions avec des médias ou des partenaires dans le monde francophone, notamment aussi nos éditions sont diffusées en Belgique, Suisse, Canada, etc. On a une audience qui nous écoute à 20% à l'étranger, donc principalement une audience francophone, c'est-à-dire c'est Belgique, Suisse, Canada, principalement Royaume-Uni, États-Unis, pour faire court, et Afrique du Nord, Maghreb. Mais euh, on fait des coproductions, on a fait des coproductions avec la radio-télévision suisse, on a fait des coproductions avec la BBC aussi, avec Yves Taras, on, on, on travaille avec la Belgique. Euh, ça, on va continuer à le faire dans la mesure où on est capable de coproduire ensemble des programmes. Euh, on a à ce stade assez d'espace sur le marché français et francophone. Euh, et donc notre stratégie, c'est d'abord d'occuper ce marché. On rappelle qu'en France, c'est que 12% des internautes qui écoutent un podcast natif, c'est-à-dire euh, c'est plus 50% par rapport à l'an dernier, ça reste 12%. Donc il y a encore pour nous un marché euh, évidemment qui est en France et on souhaite, on est un média euh, avant d'être une entreprise de production, donc on a une audience et on est structuré pour adresser cette audience. Euh, par contre, ça ne signifie pas qu'en matière documentaire, on, en, notamment ou, ou fiction, en production, on, 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 ne, on ne soit pas à l'affût de partenariats pour des coproductions internationales mais c'est un marché qu'il faut créer c'est pas un marché comme le documentaire en télévision où il y a, vous avez des, des, des places de marché, vous avez des festivals vous avez des, des, des copros qui se mettent en place, des achats, des préachats des, des chaînes de télé, il y a tout un système nous la première brique c'est d'abord d'assurer un système d'aide à la création et à la production au niveau français, ensuite effectivement de trouver des moyens de coproduire des œuvres plus ambitieuses l'intérêt de la copro internationale c'est de pouvoir travailler sur des sujets avec des auteurs internationaux, sur des, des thématiques internationales, et c'est pour de faire des, des œuvres de plus grande ampleur. Ça suppose de les faire souvent en anglais euh, et euh, d'en adapter une version française, ou faire les deux en même temps, donc c'est forcément plus de moyens, euh, et donc euh, du coup, à ce stade, euh, on est à l'affût, ça n'est pas prioritaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on refera des copro internationaux, internationales, euh, mais au centre de notre stratégie, c'est d'abord euh, d'adresser le marché français. Et francophone, c'est quand même important, c'est quand même 20% de plus si on rajoute ce qui est fait à l'étranger. Une dernière question, puis sinon, de toute façon, on peut répondre à vos questions en buvant un café là-haut ou un thé. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont assisté en ligne, et puis euh, rendez-vous. Alors, le 9, donc jeudi, pour l'épisode 10 du Cœur. Et euh, le 14 pour la reprise de programme B. Voilà.